Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment merveilleux de pouvoir entendre la parole de Dieu et de pouvoir aussi entendre ce témoignage qui est très touchant aussi. Et rien que le fait que mon frère lisait l'Écriture dans Luc au chapitre 17, c'était déjà très touchant. Amen. De voir comment il a été conduit, de voir effectivement avec ces hommes, juste simplement, qu'ils ont eu à pouvoir entendre simplement, aller vous montrer au sacrificateur, dans les tarés, et que Dieu le bénisse richement. C'est vrai qu'elle ne pouvait même pas s'approcher ni entrer. Et entendre effectivement qu'aller vers les sacrificateurs, dans l'état dans lequel ils étaient, je crois qu'ils seraient dans ce chemin. Ils auraient peut-être pu commencer à murmurer ou se poser des questions en disant, mais cet homme ici qui nous dit ainsi, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il est en train de nous dire, est-ce qu'il sait vraiment lui, est-ce qu'il a vraiment la puissance, effectivement, on nous a parlé de lui, maintenant on vient, on voit que c'est pas vraiment, nous on attendait peut-être quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est vrai que l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Vous vous souvenez encore cet homme, je crois que c'était de Syrien, ou je suppose que c'était Amman, je crois que c'était lui. Et il était cet général, là, évidemment, et c'était ce roi. Et puis, dans sa maison, vous voyez, c'était un lépreux, cet homme. Un général aussi puissant, qui a eu à pouvoir conquérir probablement, et qui était considéré dans son pays. Mais il avait dans sa maison une jeune esclave qu'il avait amenée, effectivement, d'Israël. Il était dans sa maison. Et le monsieur qui était là, un grand monsieur, se mourait de sa lèpre, effectivement. Et le roi ne pouvait absolument rien faire. Et puis, dans sa maison, effectivement, on voyait la tristesse qu'il y avait. Et alors, à ce moment-là, et c'est quand il voyait, effectivement, comment son état s'est détérioré, sa femme et ses enfants étaient dans la tristesse, il n'y avait quoi faire. Et puis, il entend simplement sa servante-là, qui lui dit, oh, si mon maître était chez nous en Israël, il serait guéri. Alors là, quelque chose a travaillé dans son cœur. Il dit, mais quoi, effectivement, oh oui, parce qu'en Israël, chez nous, nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Et c'est comme cela qu'effectivement, il alla donc voir son roi pour dire que non, en tout cas, envoie un message au roi d'Israël, qu'effectivement, j'ai entendu que là, chez lui, son Dieu guérit. Et je veux aller là-bas pour qu'il me guérisse. Et vous connaissez la suite. Mm-hmm. Et quand il est allé, effectivement, et là, il a rencontré, effectivement, c'était, il allait pour voir, effectivement, c'était Élisée, je crois, qui était prophète en ce temps-là. Et arrivé là, et lui envoie donc son serviteur Géasi. Parce que bon, il pensait, parce que la jeune dame ici pouvait aller voir le prophète. Là, dans notre pays, effectivement, ben, le prophète est guéri, il n'y aura pas de problème. Et alors là, arrivé, effectivement, avec toute sa troupe, il était tellement si de lui-même, parce qu'il était en général, il lui dit, mais quand je vais arriver là-bas, les honneurs seraient qu'on va jeter des fleurs, on va faire ceci. Et faire cela d'une certaine manière ou d'une autre. Et là, arrivé, quelle surprise, effectivement. Au lieu de pouvoir voir, c'est le prophète qui venait, c'était son serviteur Géasi. Il dit non seulement qu'il n'est pas venu, il m'envoie son serviteur. Alors, voyez-vous, Dieu veut toujours éprouver, en fait. Pour voir ce que vous êtes en réalité. Est-ce que vous savez où vous allez? Vous savez ce que vous voulez? Vous savez ce que vous désirez, effectivement? Il faut qu'il permette certaines choses, effectivement, pour voir la nature de votre âme, effectivement. Amen. Et alors là, quand il a vu Géasi, effectivement, et puis bon, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais va, j'étais cette fois simplement là-bas. Il dit donc, chez nous, là-bas, il n'y avait pas de fleuve. Il n'y avait pas, effectivement, des rivières où je pouvais me jeter, effectivement, me rendre pur, simplement ici, l'obéissance. Amen. C'était une chose tellement si simple. Et voyez-vous que cet homme, tellement dans son orgueil, à un niveau tellement élevé, se disait, ben, moi ici, mes milliers. Vous savez, frères et sœurs, l'orgueil est la chose la plus destructive pour un être. Chaque homme a au fond de lui une part d'orgueil. C'est vrai que, quand on regarde dans les Saintes Écritures, si on vous pose la question aujourd'hui, quel est le péché que vous pensez vraiment que Dieu, il est contre et c'est vraiment le plus grand péché. Qu'est-ce que vous allez répondre, en fait? Ah, vous direz, oui, l'adultère, ceci et cela, c'est vrai, non? Le vol, ceci et cela. Vous savez, parfois, je me pose la question. Quand, par exemple, vous savez, quand nous écoutons le prophète, j'aime beaucoup cet homme de Dieu, le frère Bonhomme, c'était vraiment un précieux frère. Gloire soit rendue à Dieu pour un tel serviteur. Il a dit une chose, il dit,
Il y a trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. Vous vous souvenez? Les femmes, la popularité et la richesse. C'est vrai, non? Je suis aussi étonné quand je peux voir aussi s'il faut avoir la grâce de Dieu. Il faut aimer Dieu pour comprendre les choses de Dieu. C'est tellement si simple, mais quand on prend ça sous notre aspect, les choses changent. Et j'ai vu des frères, des prédicateurs, quand une sœur s'approche, ou bien peut-être dire bonjour, on garde une telle distance, vous savez ça, non? Pour que même quand les gens qui sont autour de vous voient que oh, lui avec les sœurs, c'est vraiment un saint homme. Trois grands dangers, il faut dire trois grands dangers pour dire les femmes. Vous savez, quand la sœur s'approche, non, non, distance, et si je dois te voir, il faut cinq personnes. C'est bien, il prend des précautions, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je me pose la question. Si, pour les sœurs, tu agis comme ça en tant que serviteur de Dieu, distance, effectivement, aussi lointaine, d'une certaine manière ou d'une autre, parce que c'est ce que le prophète a dit, et c'est la vérité. Mais maintenant, le même prédicateur, le même homme, tu dis, voilà frère, j'ai une offrande pour toi. Dieu m'a mis à cœur, j'ai au moins 5000 euros pour toi. Je viens, donc la sœur vient avec l'offrande. Et il donne l'offrande au frère. Qui va dire, non, sœur. Pour l'offrande, il va prendre. Mais pourtant, on a dit que trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. Il y a les femmes, il y a l'argent, il y a la popularité aussi. C'est vrai. Donc, s'il ne veut pas s'approcher là, donc, les offrandes aussi, les dîmes, ne doivent pas toucher. Est-ce que vous comprenez les choses? Il est absolument important que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu. Pour que nous comprenions réellement la pensée. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont détruit ce message. Parce qu'ils ont pris quelque chose de spirituel avec les mains charnelles. Et ça détruit complètement même la pensée de Dieu pour que le gens puisse arriver à pouvoir réellement atteindre la dimension exacte que Dieu veut. Je donne un truc. Quand on parle de la popularité, par exemple. C'est vrai, non? Vous savez? William Branham, cet homme de Dieu, n'est-il pas populaire? Je vous pose la question. Pourquoi vous avez peur, frère? William Branham n'est-il pas populaire? Mais pourtant, trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. La popularité, les femmes, l'argent. N'est-ce pas vrai? Puisque le Seigneur nous a accordé la grâce. Vous voyez, frère, William Branham est populaire, mais il n'est pas dans la popularité. Amen. Alléluia. Nous devons vraiment prier Dieu qu'il nous accorde la grâce de pouvoir réellement saisir. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne savent pas vivre la parole de Dieu. Ils vivent encore dans des dogmes. De leur, je ne sais pas moi encore, frères et sœurs. Les gens vous ont beaucoup emprisonné avec ce soi-disant message. Mais qu'ils ont eu à pouvoir avoir avec leur conception naturelle et charnelle, effectivement, qui fait que le peuple de Dieu ne sait plus vivre réellement la parole de Dieu. Il n'y a pas de peur dans les choses de Dieu, il y a simplement la crainte de Dieu. Amen. Celui qui a la crainte de Dieu, il se préserve lui-même. Que Dieu te bénisse. Dieu n'oblige jamais personne. Quand vous aimez Dieu, vous prenez plaisir à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que vous avez d'abord compris que ce que Dieu cherche, ce n'est jamais mon malheur. Ce que Dieu cherche, c'est toujours mon bien, moi. Il veut que je sois bien. Parce qu'il n'y a pas de bon que Dieu lui-même. Le Seigneur l'a dit, pourquoi m'appelez-vous bon maître? Il n'y a seul que Dieu qui est bon. Alors les conseils de Dieu sont vraiment très bons pour nous. Amen. Comme notre précieux frère l'a démontré. Que Dieu te bénisse, mon frère. On a été dans la joie d'entendre cela. Avec une telle détermination, il a eu confiance en son Dieu. Pour son enfant, effectivement, et le Seigneur Dieu lui a montré qu'effectivement, que à cause de la foi qu'il avait, il lui a donné son enfant. Quand nous écoutons, effectivement, comme les dits les preux, c'est très touchant de voir effectivement que, ayant simplement entendu, nous devons réellement nous accrocher aux choses de Dieu et surtout, frères et sœurs, laisser Dieu lui-même
nous instruit dans les choses qui... Si aujourd'hui nous avons eu cette grâce de pouvoir recevoir ce message, devons se poser la question, de quelle manière Dieu nous l'a-t-il donné? Comment a-t-il utilisé cet instrument pour que ce message nous soit donné? Donc si réellement nous devons rester dans ce message étant conduit, nous devons avoir la même manière d'action de Dieu, effectivement, pour que nous puissions avoir l'assurance que ce que nous recevons est vraiment la chose qui vient de Dieu et qui reste effectivement dans la ligne, comme le Seigneur réellement a eu à pouvoir réellement s'y établir depuis le temps, parce que il a dit, comme il a fait savoir à son prophète, il dit ceci, que ce message, tu l'envoyais avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Et c'est ce message, effectivement, qui prépare réellement l'épouse de Christ. Et comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, il faut qu'il y ait toujours le surnaturel avec. Et qu'il continue, que Dieu te bénisse, qu'il continue à pouvoir avoir une action avec. C'est pourquoi, frère, ne vous tourmentez pas pour tout ce qui se passe aux alentours. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Et Dieu est avec sa parole. Amen. L'homme qui est avec la parole de Dieu, Alléluia, Dieu est aussi avec lui. Il n'a pas les émotions comme nous, hein, mais le seul sentiment que Dieu a, c'est sa parole. Amen. Alors si nous comprenons ces choses-là, nous sommes vraiment de bienheureux. Pourvu que nous mettions vraiment aussi au travail, en pratique ces choses, que le Seigneur accorde la grâce. Et nous allons prendre dans le livre des Romains, mon frère a lu chapitre 10, nous allons lire le chapitre 8 de Romains. Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Nous lisons au verset 35. Romains 8, verset 35, il nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Amen. Nous allons prier. Précieux Sauveur, ce matin, tu as touché nos cœurs et vraiment, merveilleux Père, de voir ton onction, ta présence encore parmi nous, et les témoignages aussi puissants qui ont été aussi rendus par ton serviteur, notre précieux frère. Je te loue, Père, ce que tu le tiens dans ta main pour l'aider à marcher avec toi, Père Saint, que tu le soutiennes encore davantage, que tu le oignes encore, Père, tu as consolé mon cœur, mon roi. Je te bénis pour cela, mon maître, béni Père. Soutiens-les et fortifie encore davantage, mon roi, qu'il soit fort. Bénis ton peuple encore ce matin. Merci vraiment pour cette grâce que nous pouvons nous retrouver ensemble encore aujourd'hui dans ta maison, Père. Père Saint, l'heure est tellement fortement avancée, mon roi, et tu as l'œuvre pour ramener certainement ceux qui sont à toi et travailler encore le cœur afin que ceux qui boitillent davantage, mon Père, puissent être raffermis, mon béni, mon Père, et leur marche soit une marche ferme, Père Saint. Béni sois-tu encore. Pardonne-moi encore, mon maître béni, et accorde la grâce, mon roi, que ce peuple reçoive rien que ce que toi tu veux. Non pas ce que je peux avoir pensé, imaginé, mon béni, mon Père, tout puissant, mais ce que toi tu nous dis. Bénis-nous encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, mon maître, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment merveilleux de pouvoir réaliser et surtout entendre la manière dont cet homme de Dieu, qui a trouvé une grâce extraordinaire aux yeux du Seigneur, et qui a réalisé aussi que c'était la grâce de Dieu qu'il soit devenu comme il était devenu, il n'a jamais cessé de pouvoir le répéter. C'est aussi un exemple, un type aussi pour un croyant, tout croyant, qui est devenu effectivement, qui est devenu un homme, qui est devenu un véritable croyant, un fils de Dieu, qui se souvient effectivement de l'endroit où il était auparavant, de comment il marchait lorsqu'il était effectivement dans l'esclavage, et comment effectivement les hommes l'entraînaient à gauche et à droite, jusqu'à ce que jusqu'au jour où il a eu la grâce de pouvoir réellement aussi rencontrer cet homme de la Galilée. Et là, il a pu réellement prendre conscience de ce que le Seigneur réellement lui a accordé aussi comme grâce pour pouvoir réaliser aussi l'importance de son salut. Alors, dans sa marche avec Dieu, il est conscient de ce que le Seigneur est pour lui et ce qu'il fait effectivement. Alors, il ne cesse de pouvoir rendre témoignage de ce que le Seigneur lui a accordé comme grâce de
bourbier dans lequel il était, et aussi de la manière dont Dieu l'a réellement cherché, et que aussi de la manière dont Dieu continue à pouvoir le conduire, effectivement. Alors il est reconnaissant au Seigneur, comme il a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Alors il était réellement conscient de cette grâce que le Seigneur lui a accordée. Pour lui, ce n'était pas imaginaire. Pour lui, c'était réellement une chose réelle, comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure. Une chose, effectivement, qu'il n'avait pas encore vue, mais lorsqu'il a pu voir la réalité maintenant de ce que le Seigneur lui a réellement montré cela, alors il a réellement compris quelle est la part, effectivement, qu'il avait dans les choses que Dieu avait aussi fait comme programme, en réalité, que lui aussi était inclus dans ces choses-là. Il était réellement reconnaissant au Seigneur. Alors, voyant effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir lui accorder comme grâce, vous aussi le désir dans son cœur de pouvoir partager aussi avec les autres pour que et aussi puissent arriver à pouvoir aussi s'approcher à ces lieux. Et ça a toujours été le désir de tout serviteur de Dieu véritable, effectivement, qui a eu cette grâce de pouvoir réellement aussi voir d'où il a été tiré, voir aussi la grâce de Dieu dans sa propre vie aussi. Il veut aussi que les autres aussi puissent arriver à pouvoir aussi avoir cette même grâce et marcher aussi avec le Seigneur de la même manière que lui aussi marche avec le Seigneur. Est-ce que l'apôtre Jean l'a fait savoir l'autre fois aussi? Il dit, ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont vu, et ce que nous avons aussi touché et contemplé aussi concernant donc la parole de vie, nous vous l'annonçons aussi à vous, afin que vous aussi, nous soyons aussi en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui est comme aussi un poids de responsabilité, effectivement, dans le cœur de tout enfant, tout fils de Dieu, tout croyant véritable, effectivement, de pouvoir rendre témoignage de son Seigneur, et afin que aussi celui qui ne le connaît pas puisse aussi avoir cette soif de pouvoir aussi vouloir le connaître réellement dans la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes le sel de la terre, comme mon précieux frère le disait encore ce matin. Donc, le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra tout. Donc, le sel donne donc le désir, la soif de pouvoir réellement aussi s'approcher et aussi boire, et cela devenir aussi comme les autres. Donc, cet homme de Dieu connaissant ces choses, c'est merveilleux de pouvoir voir l'approche qu'il a eue à pouvoir réellement aussi être introduit dans les choses de Dieu et que le Seigneur lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir le plan, le programme de Dieu et aussi sa place aussi dans ces choses-là. Vous vous souvenez effectivement dans le livre de Romains, chapitre 6, chapitre 7, l'avant et la fois passée, il a montré effectivement comment l'homme était dit misérable que je suis. Vous vous souvenez encore? Misérable que je suis, qui me délivrera des. Hein? Tu vois, c'est dans chapitre 7, hein? Et je suis là. Il dit ici, vous pouvez te lire effectivement, verset 19 jusqu'au verset 27. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quelle délivrance, hein? Il dit, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Verset, chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça, de pouvoir entendre cela. Il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, effectivement, quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que l'homme charnel a eu à pouvoir avoir recours à cet moment et puis il a disparu pour que l'homme spirituel puisse réellement prendre réellement sa place. Et cet homme spirituel, effectivement, il créé et vraiment né selon la parole de Dieu. Là, il s'accroche effectivement aux choses divines de Dieu. Et maintenant, il nous explique effectivement comment les choses se passe effectivement par rapport à cet homme, effectivement, qui est en Christ. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de notre Seigneur qui nous a accordé cette grâce, effectivement, pour que nous puissions de tout notre cœur être réellement détachés de toutes ces choses-là pour pouvoir nous accrocher davantage à ce que lui a voulu que nous puissions arriver à pouvoir le faire, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors maintenant, il continue à voir nous montrer aussi quelque chose pour ceux-là qui ont eu à pouvoir recevoir le Seigneur de tout leur cœur et qui ont eu à pouvoir vouloir persévérer dans les choses de Dieu. Alors il dit ici, effectivement, verset 5, chapitre 8, verset 5, il dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc nous voyons effectivement la part que chacun effectivement a. Lorsque nous sommes devenus spirituels, effectivement, alors ce sont des choses spirituelles auxquelles nous nous affectionnons, en fait, auxquelles nous sommes attirés davantage, en fait, tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui est agréable à Dieu, effectivement, ou tout ce que Dieu désire, effectivement, c'est-à-dire que tout ce que la parole de Dieu nous demande de pouvoir faire. Donc on commence à prendre plaisir à cela, parce que c'est l'homme spirituel, l'homme intérieur qui est à nous, et qui est réellement... Et vient de Dieu, de cette création, effectivement, et qui s'accroche davantage. Alors, il continue, il dit, verset suivant, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Donc, aussi longtemps que nous demeurons donc dans la chair étant donc charnelle, effectivement, et que nous nourrissons cette chair par ces passions que là, donc nous nous tenons toujours loin de Dieu. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à pouvoir satisfaire, et nous prendrons jamais plaisir aux choses qui concernent la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a toujours cette lutte, effectivement, qui demeure, effectivement, quand la parole vient, il y a maintenant une autre pensée qui vient. Est-ce que c'est vrai? Notre frère l'a dit tout à l'heure, effectivement. C'est merveilleux parce que quand on entend la parole de Dieu, et la chose pénètre, quand on a reconnu, effectivement, que cela est de Dieu, et qu'on a quelque chose de Dieu au fond de soi, il y a directement l'obéissance qui prend place. Donc, on prend plaisir, effectivement, à pouvoir faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est spirituel, effectivement, domine sur ce qui est charnel. Donc, la chair n'a plus de puissance, effectivement, de pouvoir sur nous. Et il dit, il dit, parce qu'elle ne se met pas la foi à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, je voudrais que vous prêtiez attention, frères et sœurs. Nous avons lu avec vous dans Romains au chapitre 8, verset 35. Vous savez, quand on lit ce chapitre, verset, effectivement, vous savez, le long de cœur s'élance parce qu'il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, oui, effectivement, le long de cœur, la réaction que nous avons eue, effectivement, il faut bien que nous prêtions attention à la parole de Dieu, que nous comprenions, effectivement, la portée de cette pensée de la parole de Christ. Donc, là, je voudrais que vous puissiez prêter attention à ce que nous lisons. Pour que vous sachiez effectivement ce que Dieu veut que vous puissiez réellement réaliser lorsque vous l'entendez dans cet endroit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce qu'il faut que chacun soit réellement conscient, va comprendre, mais cela veut dire quoi? Pourquoi effectivement un tel homme comme l'apôtre Paul a eu à voir dire une telle chose? Parce que nous avons lu chapitre 7, maintenant chapitre 8. Donc c'est nécessairement important que vous compreniez. Alors quand il dit, pour vous, verset 10, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc il a montré effectivement d'abord où est-ce que le péché avec sa puissance, effectivement, vous agir davantage. La loi avec sa puissance, c'est toujours dans la chair, en fait. Mais lorsque l'homme est maintenant un homme spirituel, nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la loi a son influence sur la chair. Mais maintenant nous sommes spirituels. Nous ne sommes plus sous la loi. Vous allez comprendre. Regardez bien. Il continue. Donc, pour vous, ne pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, si l'esprit de Dieu habite en moi, je dois devenir un tabernacle de Dieu. Effectivement, pour que Dieu puisse habiter dans un homme ou dans une femme, il faut d'abord qu'il y ait un nettoyage. Amen.
Donc il faut d'abord que cet homme-là soit d'abord conscient de l'engagement. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'engagement dans la foi en Christ, effectivement, doit être quelque chose de pensé, doit être sûr et certain de ce que vous faites, en fait. Parce que ça va déterminer, effectivement, votre marche tout entière jusqu'à la fin. Amen. Si c'est quelque chose à pris à la légère, frères et sœurs, ça va vous créer beaucoup de problèmes. Amen. Vous devez réellement être sûr et certain, parce que le jour où tu t'es mis debout, tu dis, mais de tout mon cœur, il faut avoir été convaincu, mon frère. Amen. Il faut avoir été conscient, disant, non, ici, dans cet engagement, je sais en qui j'ai cru, et je sais pourquoi je m'engage. Amen. C'est pas la légère que je prends la chose, frère et soeur. Ceci est très important pour que vous preniez aussi, pourquoi aussi dans votre vie, des choses comme ça, quand elles arrivent, évidemment, vous avez de telles réactions en réalité, parce qu'il faut d'abord que vous sachiez votre départ a été comment. Amen. C'est absolument important, le fondement, la base, le départ. Allez, si il dit, mais pour vous, il n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc s'il habite en moi, c'est que réellement il y a eu quelque chose, c'est que d'abord, La foi que j'ai eue en lui, quand je dis, mais je t'accepte comme mon sauveur personnel, cette foi-là était la foi que Dieu m'a donnée. Amen. Ce n'était pas l'imagination, non. Je réalisais effectivement qui est cet homme de Galilée. Au plus profond de mon âme, effectivement, j'ai été conscient que lui-là, il est tout pour moi. Amen. Et qu'effectivement, que si moi je continue à vivre dans mon état dans lequel je me trouve, je mourrai. Mais par contre, si je le reçois, lui, mon état à moi change. Pourquoi d'abord? Parce que je ne veux pas être comme je suis. Parce que déjà, si tu te plais dans ton état, mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin du Seigneur. C'est quand tu n'es pas content de ce que tu es. Tu vas dire, mais j'ai besoin de ce sauveur. Si tu es bien, si tu trouves que tu fais bien, que ta vie est bonne ainsi comme tu l'es, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu es complet ou tu es complète comme toi-même, mais quand réellement tu sens que non, je ne suis pas bien ce que je suis, j'ai besoin de quelque chose de plus pour changer mon état, pour changer ma nature, pour mon humeur, ma façon de faire. Non, je ne vois pas bien, je pense bien, non, je pense mal. C'est-à-dire que tu dois être conscient de ton état. Amen. Tant tout pour toi, je pense bien, je fais rien de mal, je ne vole pas ce que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu viens me dire, je vais quand même l'accepter parce que tout le monde le fait. Mais moi, j'étais un voleur. Moi, j'étais un menteur. J'étais tout le plus mauvais. Je ne voulais pas cet état. Quand je vais faire le bien, le mal s'attache à moi. Donc cet homme-là a besoin de quelqu'un pour le délivrer. Amen. Dans cet homme, dans cet animé, j'ai besoin, j'ai au fond de moi, je veux faire le bien, mais quand je veux faire le bien, le mal est toujours là, et je ferai ce que je ne veux pas. Bref. Donc je veux ce sauveur. Alléluia. Donc quand tu l'as rencontré, frère et soeur, c'est que, comme la Bible dit, mais tu vends tout ce que tu as. Alléluia. Et ça, c'est merci mon précieux. Et ça, c'est vraiment ce que je cherchais, c'est la merci beaucoup. La perle la plus précieuse, donc je vends tout ce que j'ai. On n'a pas obligé, lui, mais non, ici, non. Je dis que c'est la chose qui répond à mon âme. Alors là, Dieu regarde pas ce qu'elle est très bien. Avant que le Seigneur vienne effectivement faire ce qu'il a donné à Abraham la circoncision, il fallait qu'il observe d'abord Abraham. Oui, il n'avait pas venu comme ça, parce que la circoncision, c'était un signe d'alliance, non? Donc avant que la chose arrive à ce point-là, il faut d'abord observer, est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il est vraiment conscient? Abraham, oui. Il dit, la Bible dit, mais espérant contre toute espérance. Dieu a aimé Abraham, frère. Et oui, non. Donc tout, effectivement, cet homme a prouvé que la foi qu'il avait, ce n'était pas la foi d'Abraham, parce que tu peux avoir ta foi à toi. Notre précieux frère l'a dit tout à l'heure. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. C'est un don qui vient de Dieu. Amen. Et Abraham a reçu ce don de Dieu. De quoi, effectivement, un homme qui était assis dans sa partie, effectivement, bien avec son père et sa mère, ses frères, dans sa partie avec sa femme, effectivement, tout ce qu'il a, ses frères, et il doit quitter là pour dans un pays étranger qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu, non? Le Dieu qui lui a parlé lui a accordé la grâce d'avoir la foi. Et pourquoi il observait pour voir si réellement c'était sa foi qui avait pas fait, qui a acheté effectivement la foi d'Abraham? Il observait. Et il doit observer effectivement aussi pour voir si réellement tu as vraiment cru et tu as saisi
C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on parle de la foi, ce n'est pas quelque chose d'aveugle en fait. C'est une réalité, une ferme assurance. Donc quelque chose de réel et de palpable ici. Donc ce qui veut dire que là, lorsque la chose se passe ainsi, l'homme le reçoit de tout son cœur. Et cet homme est disposé à ce que le Seigneur fasse son travail. Et quand il vient, et comme il veut être une personne tout à fait différente, et le Seigneur vient maintenant pour faire son travail, de lui montrer que voilà maintenant, ça, comme tu m'as accepté, moi, comme ton sauveur, ton rédempteur à toi, je veux maintenant t'instruire, te montrer ça. Et c'est vrai, il dit, mais il n'y a maintenant aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. N'est-ce pas vrai? Parce que pour qu'ils puissent croire en lui, il fallait qu'il y ait des prédicateurs. N'est-ce pas vrai? Donc il fallait que ceux-là, ça pour dire, donc le Seigneur, par la prédication de la parole, il t'instruit maintenant pour dire, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Donc un homme ou une femme qui a déjà une bonne disposition dès le départ. Il est quoi? Il est obéissant, en fait. Il entend, la parole lui dit ça. Il ne vient pas avec son propre jugement. Il ne vient pas avec ses propres pensées. Moi, je pense, si tu as déjà tes propres pensées à toi, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Je vous ai donné un jour ici un exemple d'une bouteille. N'oubliez jamais cela. Vous voyez une bouteille. Que cela soit aussi dans votre pensée. Une bouteille qui est remplie. C'est rempli d'eau. Vous voulez remplir cette bouteille-là. Vous mettez avec des eaux, n'est-ce pas? Vous voulez encore la remplir. Qu'est-ce que vous faites? Vous gaspillez. Puisqu'il est rempli. Elle est encore remplie dedans, ça va tomber, ça va couler par terre. Mais pour remplir une bouteille qui est remplie, il faut la vider. C'est ça. Amen. Donc vous videz d'abord la bouteille. Maintenant, vous pouvez la remplir. C'est ce que Dieu réellement fait toujours. Quand il vient vers toi, en réalité, il commence à pouvoir réellement t'instruire. Il veut d'abord que ton caractère, ta façon de pouvoir voir, ta façon de voir penser, effectivement, parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, toi tu as une nature, il a une nature, non. En fait, il veut que tu puisses avoir sa nature. Amen. Donc il te montre maintenant, voilà, tu penses comme ça, c'est pas bon, il est toi. Voilà comment tu as pensé, comme ça, comme ça, comme ça. Nous, le Seigneur nous instruit dans le moindre détail. Et là, c'est la sanctification, c'est vrai, non? Donc maintenant, il a tout nettoyé, effectivement, ce que nous étions. Il a fait de nous maintenant ce que lui veut que nous soyons. Et quand la réalité, lui, maintenant, la personne ici, il est comme moi je le voulais. Il est le lieu et comme moi je veux. Alors Dieu maintenant vient et il habite en toi. Amen. Prêtez bien attention, frères et sœurs, parce que vous connaissez beaucoup la voyant. Mais c'est absolument pour vous d'avoir. Et alors, voilà, quand il vient habiter en toi, c'est qu'il est sûr que c'est son habitation. Amen. Et la Bible dit maintenant, il est très bien. Après, il dit, voilà. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Donc la chair ne peut plus avoir la domination sur nous. Amen. C'est nous qui dominons maintenant. Amen. C'est vrai, non? Nous possédons toutes choses. Il faut que, comme la Bible dit, il faut que la chair meure pour que l'esprit puisse vivre davantage. Voilà. Vivez donc selon la. Si vous vivez donc selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous suivez cela? Il dit, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tu ne te conduis plus toi-même. Tu ne penses plus comme tu veux, effectivement. Tu ne fais plus les projets comme tu le veux. C'est maintenant le Seigneur, lui, qui fait les projets à ta place. Amen. Et l'Esprit du Seigneur te conduit maintenant à faire ça, ça, ça. Les choses que tu ne voulais pas. Le Seigneur maintenant te conduit à pouvoir faire ce que lui veut. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc maintenant, c'est pas que non, ça je pense que je dois le faire, ceci je ne vais pas, non. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Amen.
On devient donc esclave du Seigneur. Regardez la chose suivante. L'Écriture dit ici, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la peur, effectivement, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Donc cet esprit, effectivement, témoigne que nous ne sommes pas de nos plus à qui nous sommes appartenant à Dieu, il est maintenant notre Père, et nous sommes ses fils, nous sommes ses enfants, effectivement, en fait, témoignant clairement que nous lui sommes totalement une propriété qui lui appartient entièrement. Fils et fille de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aussi en nous. On lui dit, crie à nous, Abba Père, montrant effectivement que nous savons que maintenant que Dieu est notre Père, nous pouvons même l'appeler notre Père, qui est aux cieux. Amen. Et regardez la suite. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous vous souvenez de la religion, hein? Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Donc, si c'est un homme, tu peux douter. Mais ici, la conviction ne vient pas d'un homme, mais de l'Esprit qui habite en toi. Il te certifie toi-même que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Donc là, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Tu as donc cette certitude que ici, je le suis. Et puis, il continue en disant, il dit donc, il dit ici, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je voudrais de tout mon cœur que vous prêtiez vraiment attention, frère, puisque je sais que vous connaissez ces choses, mais que vous prêtiez attention, que vous suiviez. Bien, dis-nous. Donc, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, vous suivez ça, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Et puis, continue, j'estime donc que le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Donc, maintenant, il pointe l'accent sur un peuple particulier. C'est là qu'il y a eu la grâce, effectivement, de pouvoir réellement être délivré, qui marche selon l'Esprit de Dieu, et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit maintenant, mais le souffrant du temps présent, parce qu'effectivement que la souffrance viendra. Mais il dit, mais le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir pour nous. Amen. Pour nous qui marchons selon l'Esprit. Amen. Pour nous dans les cieux en y témoignant que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc toi mon frère, toi ma soeur, tu es convaincu, pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Et Dieu t'a convaincu, finalement, il t'a confirmé cela par les sons de son esprit. Amen. Il dit, je ne peux pas te perdre. Il dit, si je t'ai scellé, c'est parce que tu m'appartiens. Amen. Je veux que tu sois conscient d'une chose, c'est que si je puis poser mon sceau, ça veut dire que ma nature en moi, en toi, c'est que tu ne peux pas être perdu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Dis, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir pour nous, il est très bien. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur te place dans un environnement pour te montrer une chose. Il dit, mais afin que tu sois sûr et certain. Il dit, mais toute la nature entière. Elle attend quoi, effectivement, dit-il. Elle attend la manifestation, que tu puisses manifester mes propres fils et filles. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'une telle grande importance que le fait que tu sois un fils témoigne, effectivement, de cette manière que la manifestation est aussi la part que toi, tu vas prendre part à ce que tu sois manifesté et démontré à tous que tu n'étais pas comme les autres. Que tu étais un peuple tout à fait différent, que tu étais réellement celle ou celui, effectivement, qui était acquis par Dieu lui-même, et réellement que Dieu a eu à pouvoir. Parce que dans la marche avec Dieu, non seulement dans les temps à venir, mais déjà de maintenant, Dieu doit confirmer. Amen. Que toi, tu es un fils, toi, tu es une fille. La grande manifestation, c'est la part qui devient encore plus importante dans les temps à venir, mais de maintenant déjà. Par ta marche à toi. Parce qu'il a dit, mais je vous enverrai le consolateur. Amen. L'esprit de vérité. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, déjà dans cette marche avec Dieu, il faut que tu puisses être sûr et certain que si je le suis en fait, en tant que fils,
et son esprit habite en moi, frères et sœurs, l'erreur pourra revenir, pourra venir. Amen. Mais Dieu enverra la correction. Amen. Amen. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il dit, mais lève-toi et sois éclairé. Amen. N'oubliez jamais ça. Il dit, mais car ta lumière arrive. Amen. Dans cette lumière qui est à toi, elle est pour pouvoir t'éclairer dans la masse dans laquelle Dieu t'a placé. Et en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, être conscient effectivement de la place que ton Père t'a positionnée. Nous continuons. Il dit, verset suivant, il dit, car la création était soumise ainsi, ainsi. Et bien, nous vous montrons le verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre vie. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Donc, mon frère et ma soeur, Dieu te montre encore quelque chose de certain. Pour te montrer effectivement ce qu'il en est avec toi en tant que fils. Il dit, mais combien même tu ne sais pas comment prier? Dans une situation quelconque, effectivement, il dit, mais l'esprit qui est en toi, par les soupirs, il est suivant. Il intercède pour toi. Parce qu'il chante les reins et le cœur. Donc effectivement, que cet esprit qui est en toi, effectivement, il arrivera à pouvoir agir, pouvoir te protéger sur le chemin et même intercéder en faveur de ceux qui sont saints. Oh, qui sont ceux qui sont saints? C'est ceux en qui le Saint habite. Amen. On dit bien le Saint-Esprit. Amen. Alors, si le Saint-Esprit habite en toi, il te rend saint. Amen. Et tu es aussi un saint, un fils de Dieu, par des soupirs inexprimables. Et nous, regardez, toujours la même écriture, effectivement, après avoir montré cela, dit, mais, oh, nous savons, verset 28, je crois. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore pour te rassurer, toi, en tant que fils, il me dit, mais là, regarde, il me dit, mais tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut arriver, tu as cru, tu as été sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est là du sceau du Saint-Esprit. Un fils de Dieu. Animé, étant un fils de Dieu, tout ce qui peut arriver concourt pour ton bien. Amen. Amen. Il dit rien, alors rien. Amen. Quand j'étais là-bas de l'autre côté, Dieu est vraiment merveilleux. Il dit rien, alors rien ne pourra t'énuer. Toutes choses concourent pour le bien. Je voudrais que vous ouvriez vos oreilles, frères et sœurs. Et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toi, en tant que fils, ayant l'esprit du Seigneur, tu ne peux qu'aimer le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole. Donc, si tu aimes sa parole, tu obéis à ce que la parole te dit. Alors, si tu aimes Dieu, et que tu aimes la parole de Dieu, et que tu obéis, tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui peut t'arriver concourt pour ton bien. Amen. Vous savez pourquoi, frère? Parce que le Seigneur, notre Dieu, change la malédiction en bien pour toi. Amen. Il dit, souvenez-vous des Balaams et des Balaams qui voulaient vous maudire. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai changé la malédiction en bien. Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera donc changée. Amen. Toute chose, s'il vous plaît, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et il dit aussi d'une manière aussi claire, il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si toi tu as appelé, mon frère et ma soeur, si l'Esprit de Christ habite en toi, tu es appelé selon son dessein. Amen. Amen. Car ceux qui ont connu d'avant, il les a aussi prédestinés. Amen. Alléluia. Donc, ta marche avec Dieu, sois attentif et observe, frère. N'est-ce pas aller dans les émotions? Non. Sois sérieux avec Dieu. Amen. Observe les choses parce que Dieu est toujours sérieux. Amen. Tu dois être conscient de ce que toi tu es.
Alléluia. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Vous savez, frère, tous ceux qui vacillent à la foi, il y a un problème avec leur propre foi. Amen. Amen. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est vrai cela. Et que nous connaissons effectivement que ce qu'il a connu d'avance, c'est merveilleux de pouvoir réaliser que avant même que toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu te montre effectivement que avant que tu sois dans ce monde, même avant que le ciel et la terre, l'atome même puisse exister. Alléluia. Avant même qu'il y ait quelque chose qu'on appelait effectivement les vents ou l'air, Dieu te connaissait. Amen. 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 Il lui-même, puis moi, j'étais même élu. Amen. Donc, mis à part, Amen. Frère, l'élection ne peut pas échouer. Amen. Il soit sûr et certain ce que moi je fais de toi. Je ne veux pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Non. Parce que le Saint-Esprit, c'est ma vie en moi, en toi. Amen. C'est moi, Dieu, en toi. C'est vrai, non? Mais oui, c'est la vérité, ça. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et quand tu es Dieu, il va pouvoir poser son sou. Qui te connaît, toi, mon frère et ma soeur. Ta vie à toi, elle est tout à fait différente, en fait. Ta façon de pouvoir maintenant concevoir les choses. Tu n'es plus conduit par ta chair qui te dit, tu vois ce qu'il a fait, tu vois ce qu'il a dit, tu vois ce qu'il a pensé. Non, toutes ces choses-là disparaissent, en fait, de plus en plus. Amen. C'est-à-dire que maintenant, tu vis comme on te dit, mais c'est un naïf, c'est... Et il voit comme s'il ne voit pas. Mais c'est ça en fait. Amen. Je dis, mais je ne veux pas me retrouver ces choses-là. Amen. Naïf, gloire à Dieu. Mais je veux simplement voir ce qu'il veut. Amen. Parce que la chef, elle a dit, mais tu vois comment il t'a regardé là. Amen. C'est parce qu'il a pensé que tu es tué avec. Tu veux comme ça. Amen. Tu vois, parce que quand il a dit comme ça, oh, c'est pas ce qu'il pensait. Même si c'est ce qu'il a pensé. Amen. Mais je ne veux pas être dedans. Amen. Non, je veux monter. Amen. C'est vrai, cela. Dieu veut qu'on puisse arriver à pouvoir comprendre ces choses qui ça pénètre effectivement en nous parce qu'il faut être des hommes spirituels. Amen. Nous sommes tellement restés dans la chair, effectivement, qu'on a fait trop dans la chair. Et la chair ne nous a rien donné de bon. La finalité, cela, c'est quoi? C'est la mort. Regardez très bien, quand vous vous grêlez, quand vous avez des mauvaises pensées, ça crée quoi? Ça crée quoi? De mauvaise ambiance parmi vous? De suspicion? Effectivement, oh, dis-le, peut-être que, probablement que, vous n'êtes plus naturel. Hein? Dieu te bénisse, mais en fait, tu n'es pas vrai. Donc, parce que pourquoi il y a des soupçons? Quand il a fait, parce qu'il va penser. Mais qu'est-ce qu'il va penser ou qu'il ne pense pas? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je veux être juste. Amen. Dans mes pensées. Amen. Dans ma façon de poser mes actes. Si lui, il interprète à sa manière, c'est son problème. Amen. Moi, je veux, en fait, toi et moi, nous servons Dieu. Amen. Si nous servons d'abord Dieu, nous servirons les hommes. Amen. Amen. Si vous cherchez d'abord à plaire aux hommes, vous ne servirez jamais Dieu. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Rien n'est tiraillement. Parce que si je dis, fais comme ça pour moi, fais comme ceci, tu feras pour tout le monde, effectivement. Si cela, tu ne feras jamais rien pour Dieu. Amen. Mais quand tu oublies les hommes, je te sers, toi. Amen. Même si ma banane, pas le problème. Mais d'abord, toi, parce que c'est toi qui sauves. Amen. Si je te sers, toi, alors je vais servir les hommes. C'est la même chose avec l'amour de Dieu. Amen. La question était, mais quel est le plus grand de tous les commandements? Pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, oubliez cela. Il faut que je fasse ça pour que. Et ceci pour la semaine. Non, non. Tu aimeras d'abord l'éternel ton Dieu. Est-ce que ce que je veux faire va plaire à Dieu? Même si oh, tu vois le frère, il est méchant, la soeur, il est méchant, et ceci sera méchant. Oh, j'ai fait mon grand jambon. Oh non, pardonnez-moi. Jambon, c'est pas un problème. Que je parle de cela parce que les jambons, c'est moi qui mange pas les jambons.
pardonnez-moi. Mais c'est pas un problème. C'est parce que mon corps ne supporte pas les jambons. Mais c'est pas. Vous, on peut manger les jambons. C'est pas qui c'est. Parce que j'ai entendu les. Oh, ça vient mon cœur. J'ai entendu. Si c'était l'imam là. Oh, nous suivons ce que là. C'est que même la, votre Bible dit là-bas. Parce que votre maître et votre Jésus là dit pardonne-moi, Seigneur. Il faut même pas manger la viande de porc. Nous, les Arabes, ne mangeons pas la viande de porc. Il faut pas manger. Tu dis, ah bon? J'ai pas vu un endroit où le Seigneur a dit il faut pas manger la viande de porc. Vous l'avez vu, vous? Non. Dans l'Ancien Testament, oui. Dans le Nouveau Testament, mangez tout ce que c'est. Amen. C'est vrai, non? Amen. Après, bon. Donc, si Dieu te sait, nous réalisons cette grâce. Mais c'est absolument important que nous comprenions ce que le Seigneur attend de nous, ce que nous pensions droit, nous pensions juste dans nos actes, effectivement. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, effectivement, alors vous voyez que la communion va passer de l'un à l'autre sans problème. Vous pouvez vous entendre vraiment très bien avec tout un frère, parce que vous ne pensez pas, et puis surtout le grand problème, votre attention s'il vous plaît. Le grand problème, ce sont les langues des uns comme des autres. Tu vas t'asseoir avec un, il va venir tolérer. Tu connais celui-là. La pauvre ou le pauvre en question, tu aimes cette personne, tu vas avoir une bonne pensée à la personne. Maintenant, il commence à te finir. Tu sais ce qu'il a fait? Quand il était parti au marché, il a trouvé un pain qui était là, il l'a trouvé beau, il a pris les pains, il l'a mis dans son sac. Bon. Si toi, tu as vu qu'il a pris les pains et dans son sac, tu peux prier. Et le voit, tu règles là. Amen. Faut pas venir me dire, mais il a volé, il a fait. Dieu est capable de me révéler quand même. Amen. Non, mais tu sais quand même lui, parce que tu le considères, hein, mais parce que tu sais pas ce qu'il fait. Mais Dieu t'a pas placé à côté de moi pour me dire ce que les autres font comme mal. Parce que si Dieu m'a donné aussi les yeux spirituels, il me montre aussi. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, je veux que vous compreniez une chose. La langue que nous avons, c'est pour bénir. Amen. La langue que nous avons, c'est pour dire de bonnes choses. Amen. Qui doivent pousser mon frère et ma soeur à aimer Dieu. Nous sommes tous des hommes faibles. Nous faillissons tous. Mais nous avons besoin de pouvoir nous accrocher à Dieu. Amen. Rendez toujours des bons témoignages de votre frère, de votre soeur. Quand il a fait une chose mauvaise, va le voir. Amen. Va le voir. Parle-lui, frère. Voilà, en tout cas, il y a ça, ça, ça. J'ai tant subi. Vraiment, souviens-toi la Bible. Montrez-lui avec autant. Parlez-moi des bons. Voyez-vous, nous sommes dans le message. Des messages. Messages, ça veut dire quoi le message? Si toi, tu es dans le message, tu l'as d'abord toi-même brisé. Amen. Quand tu vas voir la personne, qu'est-ce qui se passe là? Tu les désires qu'ils soient sauvés, qu'ils soient ramenés. Tu vas dire, moi je connais bien les Écritures d'abord. Non, les prophètes ont dit, les prophètes ont dit, les prophètes ont dit. Non. Le Seigneur veut que. Quand la Bible dit, effectivement, nous voulons vivre que. Alors voilà ce qui s'est passé, ce que peut-être tu ne le sais pas. Mais voilà, l'Écriture nous montre ça, mon frère, ma série. Et puis pour le témoignage de la parole de ce que Dieu dit, ainsi, ainsi. Et puis il faut, quand tu vas d'abord voir, il faut d'abord que tu sois convaincu. Pas parce que Jean-Robert t'a dit. Et puis tu te lèves aussi, bon, comme Jean-Robert dit, moi je suis l'homme spirituel. Je vais aller voir pour corriger. Frère, tu arrives comme ça. Oh, frère. Et tu as, il semble que tu as volé la chèvre de la voisine. Et que la voisine était les années. Tu es un frère en Christ, tu ne peux pas voler la chèvre. La Bible dit que tu es condamnable. Puis frère, t'écoute, mais mon frère, ma soeur, qui t'a dit que j'ai volé la chèvre? Ah bon? T'as pas volé? Tu viens directement me répondre pour la chèvre que j'ai volée. Quelle chèvre j'ai volée? T'as pas volé? T'as pas volé, c'est des milliers. Quelle chèvre j'ai volé? Il n'a pas volé, c'est parce que j'ai entendu que tu as volé la chèvre. Mais il fallait d'abord me demander moi si j'avais volé la chèvre. C'est pour dire effectivement que ce n'est pas sur les ondits qu'il faut partir ou avoir une mauvaise opinion d'un frère ou d'une sœur. Mais il faut que Dieu te revête. Amen. Il faut que Dieu te parle pour que tu ne sois pas non plus condamnable avec les autres. Pour te maintenir. Ah, sinon. Et que Dieu nous fait savoir que c'est absolument nécessaire que nous puissions être dans la position telle que Dieu travaille avec, en tant que fils et fille de Dieu. Notre pensée, notre façon de pouvoir concevoir les choses. Pense que quand Dieu a pris réellement notre être maintenant, vous savez ce qui se passe en réalité, c'est que le trône du jugement de Dieu descend en toi. N'oubliez jamais ça. Quand le Saint-Esprit est en toi, aussi le trône du jugement de Dieu descend en toi. Amen.
un fils de Dieu, une fille de Dieu, je veux poser un acte d'une certaine manière du monde. Car ce n'est pas conforme, mon Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Je suis sûr et certain. Tu sens que la force te manque de pouvoir faire ce que tu veux faire. Parce que là, il te fait savoir que ça, c'est pas juste. Alléluia. Il veut toujours te garder saint. Saint, saint, saint et l'éternel. Alléluia. Donc, non, tu n'as pas besoin qu'on puisse dire, on ne faut pas faire ça. C'est pour ça, frère, c'est pourquoi Dieu a envoyé la parole du temps de soi pour que nous sortions des dogmes. Amen. Des credos, de ceci et de cela, parce que dans les dogmes, il faut comme ça, il faut comme ceci, il faut comme ça. Non. Maintenant, la parole de Dieu est inscrite en nous. Amen. Le Saint-Esprit maintenant t'observe. Il te regarde. Quand tu veux faire, tu sens que là, le vertige commence. C'est plus possible. Ça, c'est pas possible. Il te montre que voilà ça, voilà ceci, voilà ce qu'il faut faire. Alors un fils de Dieu, il prend plaisir à obéir à ce que son Père dit. Alors il dit ceci, il dit, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous vous souvenez? De ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a aussi prédestinés. C'est vrai, non? À être semblable à l'image de son Fils. Votre attention, frère. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons comme Christ. Amen. Était sur la terre. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous savez, quand on l'a pris, même quand il parlait avec, ses disciples, il dit, à Jérusalem, je serai là-bas, il fallait, le Fils de l'homme sera donc livré entre les mains des païens, il va souffrir, et puis il dit, adieu le Père! Que cela ne puisse arriver. Il a regardé Pierre et dit, mais arrière de moi, Satan. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu à mon endroit, c'est que je puisse mourir. Si les grains de blé de mer, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup. Donc il faut que je puisse arriver à pouvoir accomplir cela parce que dans les saintes écritures, il est écrit de moi. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, que chaque fils et chaque fille de Dieu, il y a quelque chose dedans de lui, effectivement, qui lui montre en réalité la place que Dieu a positionnée pour qu'il puisse arriver à pouvoir servir son Dieu de la manière. Et même si les choses sont difficiles, dans la marche, effectivement, la confiance est toujours placée en Dieu. Amen. Il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Vous vous souvenez encore cela? Donc, cet homme de Dieu nous montre, alors il dit encore dans le livre de Romains, il montre encore cette écriture, effectivement, il nous montre cela en lui disant, oui, regardez bien. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. 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 Donc si tu as été prédestiné, il doit t'appeler. Amen. Tu dois entendre effectivement la voix du bon berger. Amen. Il dit, ils entendront ma voix. Amen. Parce qu'ils ont été prédestinés, ils vont entendre et ils suivront ma voix. Amen. Ils vont sentir. Il dit, et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifié. Amen. Donc il dit, mais mon frère, toi qui l'as reçu, toi qui es resté accroché à lui, effectivement, et qui a aussi prouvé que tu lui appartiens, effectivement, il dit, mais tu as été justifié. Amen. Peu importe ce que le voisin peut venir dire, ou la voisine, ou même Satan peut dire, il dit, mais tu sais, il a fait, il a voté 6000 fois, il a fait ceci, il a tué ceci, tu dis, mais il n'a jamais rien fait. Amen. Quand je regarde lui, il n'y a rien. Amen. Ceux qui sont en Christ, il n'y a donc plus aucune condamnation. Satan peut monter et descendre. Frère, Dieu veut que vous compreniez ces choses. Il peut monter et descendre, pointer du doigt. Frère, il y a quelque chose que Dieu regarde. Amen. Le sang qui est sur le trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, voici le sang. Frère, ça brise le cœur de Dieu. Amen. On peut t'accuser de tout le monde possible. Allez. Quand tu regardes parce que Christ te fait passer par ses sangs, Dieu est tout à fait blanc comme neige. Amen. Satan viendra avec les péchés anciens. Il avait fait. Frère, ce jour-là, il était là simplement. Amen. Je l'aime beaucoup, mon maître. Une
la femme surprise en flagrant délit d'adultère, frères et sœurs. Hein, c'était punissable avec les pierres, effectivement. Donc, on tuait, on lapidait la femme et mourait avec les pierres. Adultère. Et il était là, lui, il s'occupait d'autre chose, effectivement. Et on l'amène, cette femme. Les pharisiens, les sadducéens, ces jours-là, ils étaient tellement bien serrés dans leur col en disant ah, ah. Et vous, on va vous prouver que cet homme n'est pas de Dieu en plus de cela. Nous, nous sommes de Moïse, nous connaissons bien, et ça, on va l'appliquer. On va vous montrer qu'effectivement, que il n'est pas mieux que les autres. Il était là, là, et c'est que, vous avez entendu, ce qui m'a toujours touché, c'est que la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère loin. C'est ça. S'il croyait vraiment ce que Moïse avait cité, qui était écrit, non? Frère, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh là là. Frère, oh là là. Vous pouvez monter et descendre. C'est la parole vivante. Quand il est en Paris, frère, les églises ont tremblé. Les prédicateurs ont tremblé. Il dit, mais il y a quelque chose dans cet homme. C'était l'auteur de la parole. Et puis, le temps est venu. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, non? Amen. Donc, quand il est venu, il est bien. Ils ont pris la femme. S'ils avaient pu. Et puis, ils ont pris la lapidaire de côté à bas. Il n'y a pas de problème. Puisque vous croyez, lapidez là. Non, ils l'ont pris avec elle. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il l'a mené devant la grâce, frère. Il a mené devant la grâce, mon frère. C'est la vérité, frère. Là-bas, c'était la loi. Amen. Ici, c'est la grâce. Alléluia. Tout homme qui t'a permis, il est justifié par la foi. Amen. Ah oui. Amen. Nous avons une grâce extraordinaire. Amen. Et c'est cela que l'homme dans ce monde n'arrive pas à pouvoir comprendre et saisir. Frère, quand Dieu t'a. C'est merveilleux, frère. Et il était là, et c'est vrai. C'est une grâce extraordinaire de voir ce que ce sauveur a apporté à l'humanité. Alléluia. La Bible dit que le sang des taureaux sur le pont. Frère, la pensée de l'homme était toujours corrompue. Il ne veut pas ôter les péchés, ne m'amener les à la perfection. Mais. Il dit. Dans le rouleau de lit, il est question de moi. Il est le sang de Jésus de lui. Tu dis, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est vrai, frère. Quand l'homme entre dans sa présence, il sort une personne tout à fait différente. L'ancienne nature est complètement dissoute. C'est maintenant la nature de Dieu, la nature divine, dans la personne. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné, ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ça veut dire que, devant Dieu, toi mon frère et toi ma soeur, blanc comme neige. Amen. C'est sûr et certain. Il est mort, il a payé le prix pour que toi tu sois libre. Afin que tu les serves pleinement, afin que tu puisses être dans une telle liberté que, peu importe maintenant que la peur même, la peur doit réellement quitter le cœur. Amen. Et tu aurais peur, tu peux. Il dit, c'est moi qui justifie. Amen. Qui te condamnera? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Lisons-le, il est bien. Parce qu'il dit ici, il dit, et ce qu'il a justifié, donc ça on ne peut pas manquer, il dit, il les a aussi glorifiés. Donc pour Dieu, c'est déjà accompli. Amen. C'est sûr et certain. Donc c'est dit que nous sommes déjà dans un état tel que, et que par la confiance que nous avons dans le Seigneur. Nous devons être sûrs et certains que ce qu'il a fait comme promesse pour nous, cela va s'accomplir. Et continuons en disant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ce que nous venons de pouvoir entendre. Mais que pouvons-nous dire à l'égard de ces choses? Il dit, si Dieu donc est pour nous, mon frère, ma soeur. Seigneur qui a crié le ciel sur la terre. Tous les anges, effectivement, l'adorent.
Satan ne peut rien faire si notre Père le permet. Amen. Ce Dieu que nous servons, c'est notre Père. Amen. Il est le Créateur qui domine sur toutes choses. Amen. Ce qui peut arriver aujourd'hui, tout ce qu'il dit, il a le contrôle sur tout. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Alors écoutez bien, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait. Mais Dieu dit, mais il est justifié. Alléluia. À la place d'un fils de Dieu. À la place d'une fille de Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Et continuez en disant. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Vous avez remarqué, frère, comment le Seigneur nous a montré la place, la position d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, là où il se trouve aujourd'hui, effectivement, et comment même il dit, mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, non? Rien ne pourra vous nuire. Alors maintenant, la question, elle vient. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Je veux que vous compreniez cela bien. Je vous en prie. Je veux que vous compreniez cela très bien. La question a été posée. Au vu de tout ce que vous avez entendu, de la position, de la manière dont Dieu a eu à pouvoir réellement aussi montrer ce qu'il avait fait, nous étions esclaves, le péché nous liait, il a donné la réponse à ton problème. Amen. La délivrance, effectivement, pour que tu sois libre. Et aujourd'hui, tu l'es. Amen. Mais c'est vrai, non? Amen. Parce que si nous sommes assis ici, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Amen. Autrement, nous serons dans les cabarets, nous serons dans différents endroits, faisant n'importe quoi. Mais nous sommes là. Personne ne vous a obligé de voir venir. Mais quelque chose qui vous a appelé. Témoignant de ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre marche. Dans votre vie. Témoignant que Dieu est vraiment vivant. Et qu'il a eu à pouvoir avoir une action dans ta vie à toi. Et te montrer effectivement comment est-ce que cette action de Dieu en toi se fait. Ainsi, jusqu'à te dire aussi que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai ou pas? Amen. Et puis, il te montra effectivement que, oh, ce que Dieu a appelé sur son dessein, ainsi, là aussi justifié, j'aime justifié, mais là aussi appelé, mais justifié aussi glorifié. N'est-ce pas vrai? Amen. Qui condamnera les élus de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, en tant que fils de Dieu, en tant que peuple de Dieu, qui sera contre nous? Maintenant, on nous pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est ce qu'il a dit, non? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, je veux que vous compreniez cela. En fait, il faut que la pensée soit comme ceci. Qu'est-ce qui peut arriver à pouvoir se passer en vous et parmi vous en tant que croyants, qui peut arriver à pouvoir t'éloigner de la foi? Quelle est la chose qui peut réellement arriver à voir se passer en toi, effectivement, pour qu'effectivement te traîner, oh, mais je ne peux plus. Regardez, il dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le pire? Est-ce que ce serait la tribulation par laquelle tu vas passer, qui va te dire effectivement que, non, en tout cas, moi, je ne supporte plus les choses de Dieu, c'est plus possible. La nudité, parce que les vêtements, je ne vois pas que je n'ai vraiment pas les vêtements que je dois avoir, effectivement. Les périls, les paix, toutes ces choses-là, est-ce que ce sont ces choses-là
qui peuvent arriver à pouvoir réellement t'éloigner davantage de ces dieux en réalité et faire en sorte qu'effectivement que tu n'aies plus vraiment le désir d'avoir communion avec ces dieux et de pouvoir se dire mais est-ce que vraiment j'arriverai, est-ce que ces dieux ont la capacité de pouvoir faire en sorte que je sorte de cette situation dans laquelle je me trouve. Quelle est la chose qui peut arriver à pouvoir aujourd'hui vous rendre ce froid à l'endroit de Dieu, effectivement, l'épreuve par laquelle tu passes, mon frère. La situation dans laquelle. Vous savez, c'est absolument important avant que vous répondiez, frère. C'est nécessaire que vous puissiez vraiment bien comprendre ces choses, mon frère et ma soeur. Parce qu'il y a une différence entre le véritable croyant et le soi-disant croyant. Amen. Amen. Un véritable croyant, il sait où il en est. Amen. Amen. Il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit que moi, dans mon âme, je l'aime de tout mon cœur. Seigneur, je sais d'où je viens. Je sais ce que tu as fait de moi. Mais aujourd'hui, l'épreuve, là. Je sois un croyant. Par rapport à un croyant, il y a une grande différence. Amen. Le soi-disant croyant, il est avec vous quand tout va bien. Il aime voir les miracles. Il aime voir ceci. Ah, tout va bien. Dieu fait, Dieu fait. Quand Dieu maintenant dit, bon, je vais maintenant permettre ça, je vais voir ce qui va se passer. Vous l'avez entendu depuis le chapitre 8. Comment Dieu nous a montré effectivement la position d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, et ce qu'il en est effectivement à son endroit. Alors maintenant, pose la question de pouvoir savoir que, quelle est cette chose-là qui peut arriver à pouvoir faire en sorte que tu puisse arriver à pouvoir être séparé. Tu es maintenant la parole de Dieu. Il dit, oh, je connais tes œuvres. C'est vrai, non? Les premières œuvres, là, comment tu étais tellement si bouillant. Vous suivez, ma soeur? Je voudrais que vous fassiez attention, s'il vous plaît, frère, ma soeur. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Et chaque jour que nous passons, effectivement, et ce que nous entendons, nous positionne toujours dans la marche avant Dieu. Je vous ai toujours dit ici, frère, que Dieu ne va pas ramasser les saletés. Il faut que nous soyons conscients de pouvoir savoir ce que Dieu fait avec nous. Est-ce qu'il cherche effectivement aussi à pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il cherche pour lui? Donc, c'est important que nous posions réellement la question de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. Mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est vrai, non? Ce que j'ai contre toi. Cela est très bien. Dis, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, c'est vraiment une grâce que Dieu puisse arriver à pouvoir exhorter et montrer effectivement à son peuple la partie dans laquelle il n'a pas eu à pouvoir réellement agir effectivement comme Dieu le voulait. Et cela, pour qu'il puisse mettre en ordre la chose. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est vrai, non? C'est quoi les premières œuvres? C'est quoi les premières œuvres? Chaque enfant de Dieu véritable qui a une expérience avec Dieu doit se souvenir des premières œuvres. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. C'est
c'est la vérité. Quand Dieu est venu dans ta vie, effectivement, dans la vérité, que tu l'as cru dans la vérité, tu as eu des expériences. Et ces expériences, tu sais comment tu les as eues. Avec autant d'empressement, le zèle que tu avais pour Dieu. Ces zèles-là. Et vous le savez aussi, frère et soeur. D'abord, continuez à regarder. Ici, il dit, verset 30, il dit, mais selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vous savez ce que le Seigneur a dit de nous? Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Amen. Ça veut dire que la haine et l'oppression, nous allons les rencontrer. Que ce soit parmi vos maris, vos femmes, vos enfants, votre travail, vos collègues, ceci et cela, dans vos maisons, partout où vous êtes, l'oppression et la haine, vous le rencontrerez. Pourquoi serez-vous haïs? Parce que vous l'avez accepté et que votre vie se conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Puisque de tout votre cœur, vous l'aimez tellement, vous voulez le servir, votre vie maintenant commence à pouvoir jaillir comme une lumière dans le milieu dans lequel vous vivez. Puisque eux, ils ne sont pas comme vous, vous les dérangez. Alors la torture vient. La persécution vient. Et quand la persécution vient, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, pour calmer la famille, effectivement. Vous savez comment ils disent lorsque on doit aller faire le mariage, il faut aller couper la tête de la poule. Bon, tout simplement, ma famille dit, il faut qu'on les fasse. C'est comme ça, parce que dans tout, c'est comme ça toujours dans le coutume, c'est l'usage. Si tu ne le fais pas, donc ça va avoir un problème avec tout le monde de la famille pour ton mariage. Mais Dieu t'a déjà dit de ne pas couper la tête de la poule. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Tu étais là, gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, je ne peux plus être libre comme le monde avait, je ne peux plus être dans la famille comme le monde. Tout le monde a vu ton témoignage. Seigneur, je suis resté pendant 25 ans sans trouver, sans un membre marié, voilà, je commence à vieillir effectivement, et puis j'ai trouvé Jean-Christophe. Gloire à Dieu, Jean-Christophe est venu, je l'ai trouvé, et maintenant quand même, c'est quand même les miens, je vais la voir. Et les parents disent, mais si Jean-Christophe ne coupe pas la tête de la poule, nous on n'accepte pas Jean-Christophe. Seigneur, je ferai ce que toi tu as dit que je puisse faire. Seigneur, je t'ai dit, tu sais comment tu habites, donc j'ai mon cœur à moi, je t'aime de tout mon cœur. Mais ce jour-là, Jean-Christophe est ici. Ton cœur, boum, 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 Jean-Christophe. Et les parents sont là aussi. Il dit, c'est notre coutume, pour que nous puissions accepter que notre fille aille au mariage, il faut que Jean-Christophe coupe la tête de la poule. Nous avons un arbre là-bas derrière. Tous les membres de la famille vont toujours là-bas. Il faut quand même une parole, et puis il tourne vers la poule autour de l'arbre, effectivement. Et puis Jean-Christophe va faire ce tour autour de l'arbre. Et puis après, il jette la tête par terre avec la poule. Là, on est d'accord que Jean-Christophe doit te prendre pour épouse. Alors là, devient un problème. Seigneur, tu vois que j'ai quand même prié. Tu m'as donné Jean-Christophe. Maintenant, les choses viennent d'exister. Bon, quand même, quelque part. Et puis, comment ça va? Mais j'avoue quand même que l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit, je me fais tout à toi. Donc, si je suis avec les païens, je ne fais pas rien. Vous savez, frère, vous commencez à chercher des interprétations à vous pour vous justifier. Qui nous séparera de l'amour? Frère, la Bible est toute chose qu'on couvre le plus de ses corps. Si Jean-Christophe est à toi, Jean-Christophe sera à toi. Amen. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu, une fille de Dieu connaît sa position. Amen. Tu veux qu'il coupe la tête? Moi, je ne veux pas. Amen. Si tu coupes la tête, tu fais le tour, tu n'es pas en Amen. 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 Celui qui est en moi ne coupera jamais la tête. Amen. Vous savez, les hommes dans ce monde veulent voir Christ en vous. Amen.
vos membres de famille, vous les tuez parce que vous voulez vous conformer à eux. Pour les sauver, restez ferme. Amen. Amen. Même si c'est au péril de votre vie, qui nous séparera? Vraiment. On nous regarde comme des brebis laissées à la boucherie. N'est-ce pas vrai? Serait-ce le péril ou les pays, tout cela? Tout va très mal. Mais il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous savez, ce n'est pas un chemin de facilité. La Bible dit que c'est un chemin étroit et resserré. Alors, quand tu rentres dans ce chemin, il est tellement si étroit, large et spacieux, celui qui met la perdition, mais resserré. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mon frère et ma soeur. Tu n'as pas beaucoup de gens qui t'applaudissent derrière. Non, mon frère et ma soeur. Il faut que ce soit des fils de Dieu. Amen. Oui, c'est sûr et certain. Sûr et... Sur ce chemin-là, tu n'as d'amis que de fils et de filles. Amen. Vraiment. Vous pouvez être avec autant de frères et sœurs. Oh, frère, on vous aime. Oh, sœur, on vous aime. Oh, madame, vous aime. Oui. Que Dieu accorde simplement la grâce que nous puissions réaliser ce que Dieu attend de tout un chacun. Alors il dit, nous continuons d'abord rapidement pour la parole du monde. Il a dit bien. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est Francis qu'on regarde comme des brebis laissées à la boucherie. Il dit, je vous dis bien, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc il nous rappelle encore. Il dit, mais peu importe même qu'on aurait comme des brebis laissées à la boucherie. Mais nous devons savoir que dans toutes ces choses-là, dans cela, nous ne sommes pas seulement le vainqueur, mais plus que vainqueur. Il dit, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il dit, tu dois savoir que nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a élus et la parole de Dieu pour nous est la chose la plus importante. L'obéissance à ce que Dieu dit. Même si je dois perdre ma famille entière, je dois perdre tous mes amis, même si toute l'assemblée entière ne va pas dire. Mais seulement ce que Dieu a dit. Amen. Oh oui, mon frère et ma soeur. Ça, c'est dans un fils, dans une fille. Amen. Pas dans un soi-disant croyant. Un soi-disant croyant, il marche avec vous aussi longtemps que vous faites ce qui lui plaît. Amen. Oh, ils ne sont pas venus me voir. Oh, ils ne sont pas. Ils disent que vous ne voulez pas les voir. Ah non, dans cette assemblée, il n'y a pas d'amour. Il y a un frère. Je vais quand même le dire. Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Vous savez, vous ne rendez pas compte, moi. Il a dit, oui, ma femme et mon enfant, et à l'hôpital, la personne est allée le voir. J'ai dit, ta femme et ton enfant, je ne le pas, je l'ai laissé là, dans l'assemblée, pour que les frères et sœurs, parce que c'est notre assemblée, je crois. Et puis les frères et sœurs, j'ai dit, mais votre femme et votre enfant, à l'hôpital, les frères et sœurs ont pris. Et puis les frères et sœurs, personne ne savait que les frères et sœurs, que la femme et l'enfant étaient à l'hôpital, puisqu'on n'a même pas annoncé cela. Mais tout le monde a prié. C'était qu'on allait, puis on examinait, puis on ramenait à la maison. Oh non, il est resté. Je dis, mais personne ne savait. Si tout le monde le savait à l'assemblée, eh bien, on ne serait pas dit, puisqu'on le fait. Et puis j'ai dit, mais je voudrais quand même te demander une chose, parce que là, tu es monté sur ces 500 chevaux, puisque les frères et sœurs ne sont pas partis voir. Et quel amour, quel désir, c'est là, je dis, bon, s'il te plaît, je vais te poser la question. Frère Norbert Tibamba, tu connais? Il est à l'hôpital quelque part, ta femme et toi. Avez-vous été une fois le voir? Ah oui, oui, j'ai posé la question. Ta femme, ton enfant et toi, ça fait qu'il est à l'hôpital. As-tu déjà été le voir, ne fût-ce qu'une fois? Sans réponse. Tu savais qu'il n'était jamais parti. Donc pour lui, on doit faire. Mais pour les autres, on ne fait pas. Voyez-vous, c'est une mauvaise chose. Vous voulez, on veut dire, on fait pour moi, on fait pour moi. Attends, on fait, oh, il est bon, il est gentil. Mais quand on n'a pas l'occasion de faire, ah non, il n'y a pas d'amour dans cette assemblée. Et d'ailleurs, le pasteur, il est âgé, il n'est jamais même passé. C'est vrai, non?
C'est nécessaire, frères et sœurs, que nous puissions arriver à pouvoir être des hommes faits. Amen. Des hommes et des femmes qui ont un caractère et qui savent réellement en qui ils ont cru. Amen. Et qui savent réellement à quoi ils doivent s'attendre, effectivement. Est-ce que Dieu veut d'eux? Il dit, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que Dieu qui m'a aimé, il m'a fait sortir de moi. Dieu qui m'a aimé, il m'a nettoyé. Dieu qui m'a aimé, il m'a rempli. Je suis un fils de Dieu. De qui aurais-je peur? Si la maladie venait, même si elle emportait, Dieu aussi va permettre que la guérison, c'est parce qu'il veut que la personne parte par ses droits. Élisée, vous savez qu'il est parti par la maladie. Vous savez pas? Le prophète Élisée, il a guéri beaucoup, non? Mais il est parti par la maladie. Dieu choisit la voie qu'il veut, il est sauvé. Jean-Baptiste, il coupait la tête. Qui vous dit, oh non, Dieu, c'est pas possible qu'un prophète nous coupe la tête, on a compris. Vous voulez instruire Dieu? Moi, je vous ai toujours dit encore, frère, je peux prier pour 20 personnes ici. J'ai prié pour eux, demain ils meurent, je me tiens encore ici, je prierai avec foi. Amen. Je ne peux pas douter de la guérison. Alléluia. Je ne peux pas douter de la guérison. Oh, parce qu'on a prié, bon, non, frère. Alléluia. Il est toujours le même. Amen. Je prierai, il y aura des guérisons. Amen. Et Dieu continuera. Amen. Je ne peux pas douter de Dieu. Je ne peux pas avoir une pensée que sinon. Je sais que je sais de lui, je l'aime beaucoup. Amen. Parce qu'il est souverain. Quand nous prions ici, Dieu ne t'ose pas. Amen. Est-ce qu'on dit Seigneur, tu es obligé? Amen. Non, nous te supplions. Amen. Et pitié, c'est comme ça. Il n'y a aucun qui peut obliger Dieu, mais tu dois guérir, non? Et même s'il emporte la personne, c'est lui qui l'a créé. Amen. Qu'est-ce que moi je suis? Que j'envoie mon fils, c'est Dieu qui m'a prêté. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas créer un enfant. Amen. Dieu prête. Amen. Dieu, tu as pris. Dieu, tu aimes. Non, non, tu ne peux plus croire en toi. Tu ne peux plus croire. Tu avais dit, mais ce n'était pas les tiens. Amen. Vous pensez que ce n'était pas les tiens. Amen. C'est moi qui te l'ai prêté. Amen. Je le prends quand je veux. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Nous devons respecter Dieu. Amen. Et dans le principe de Dieu, être conscient. Parce que souvent, c'est comme si on prend Dieu comme un petit gamin, qu'on peut, il faut qu'il fasse pour nous. Il ne peut pas même pas faire la cuisine pour nous. Dieu doit être respecté. Amen. Et c'est nous qui avons besoin de pouvoir le supplier, lui implorer la grâce. Amen. Alors là, tu dis, nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous. Accorde-nous cette grâce. Alors Dieu agit. Il n'est pas obligé. On ne peut pas l'obliger. Donc il fait réellement ce que lui, il veut. On continue à l'écriture. Alors, je dis. Verset 38. Car j'ai l'assurance, ça c'est l'assurance d'un fils, que ni la mort, amen, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, amen, ne pourra nous séparer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est un fils. Amen. Frère, amen. Oh, j'aime cet homme Jean. Amen. Tout a été rasé. Les enfants prient. Oh, gloire à Dieu. Amen. Job a aimé Dieu. Amen. Job s'est accroché à Dieu. Amen. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son Seigneur soit béni. Amen. Oh, que son nom soit béni. Amen. Il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de lui, frère? Il m'a menti effectivement que moi je ne mourrai plus. C'est vrai, non? C'est la vérité. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui en tant que fils, peu importe la situation, la nouvelle, que ce soit les décès, que ce soit n'importe quoi, il ne pourra jamais descendre au plus bas. Amen. Non, non, non. Non, quand on est un fils de Dieu, on sait une chose. On sait d'où l'on vient. Peu importe les épreuves, la situation, on est toujours accroché à Dieu. On doit savoir une chose que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Ne pensez pas que quand on est croyant, tout va aller très bien. Mais c'est sûr et certain que tout va très bien. Amen.
Même les épreuves qui vont nous arriver, effectivement, c'est pour notre bien. Amen. Mais si toi, mon frère, si toi, ma soeur, l'épreuve qui t'arrive dans ta propre vie affaiblit ta foi et refroidit ta foi à l'endroit de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de revenir à l'expérience avec Dieu. Tu te révolterais contre Dieu. Qui es-tu? Ah oui, d'ailleurs, parce que bon, ils n'ont rien fait pour moi, je n'y vais plus. Si tu ne veux plus venir à l'assemblée, est-ce que tu ne veux plus venir? Vous savez, ce sont les dénominations, les églises qui ne savent pas où ils vont, qui supplient les armes. Oh, je vous en supplie. Vous savez, bon, si vous voulez qu'on ne fasse pas comme ça, bon, on ne va pas faire, bon, restez. Je vais rester avec des gens qui ne croient pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour remplir la salle, la foule, simplement. Et tu ne sais même pas apporter la parole de Dieu, parce que quand tu dis, tu ne veux pas qu'on porte le pantalon, bon, ça va. Alors tu me dis, bon, alors portons le pantalon quand même, hein, les pantalons. Hein. On peut même aller même à la plage. Hein. Il n'y a pas de problème. Dieu, il est bon dans le cœur. La plage, on peut nager. Il n'y a pas de problème. Vous verrez l'assemblée pleine. À quoi ça sert? Non, il faut la vie de Christ. Amen. Parce que si tu meurs dans ton pantalon, tu ne vas pas être devant Dieu. Hein? Ah, mais c'est sûr et certain, ça. Vous savez, que Dieu pas... Vous savez, frères et sœurs, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qui m'arrive ces derniers temps. Bible à main. Je peux aussi m'asseoir comme ça. C'est comme si un sommeil qui vous arrive. Et Dieu te montre les choses d'une manière aussi claire qu'on m'avait dit en papier. Et la chose se passe exactement comme cela. Et j'ai eu peur en ce moment, même ceux qui sont, c'est vrai frère, même ceux qui sont partis. Les deux en fait. Dieu m'a montré la promo. Comme un papier. Et c'est vrai. Nous devons, frère, nous devons avoir la crainte. Ne jouez pas avec lui. On doit faire pour s'associer. Il n'y a pas d'association. S'il faut, même si tous veulent me haïr, m'abandonner pour la parole de Dieu, ils peuvent m'abandonner. S'il faut que je reste seul en lisant ma Bible, je la lirai. Amen. Je vous l'ai dit, non. Dans tout le pays du monde entier que vous voyez ici, je n'ai pas envoyé la lettre pour dire, en tout cas, invitez-moi, c'est tout. Que ça même la Birmanie. Ouais. Ils vous écrivent, venez, qui est-ce qui fait ça? C'est Dieu. Amen. En Indonésie, c'est pas moi. On me pose la question, mais comment? Je dis, mais je n'en sais rien. Maintenant, ça va en poisie, par-ci, par-là. Vous savez, quand vous ne voulez pas écouter, tu es un peu. Amen. 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 Vous savez, quand j'étais là-bas, je pleurais, j'ai dit, c'est la vérité, Dieu m'a été moi. Et ça m'a beaucoup changé. J'ai dit, Seigneur, non, nous ne réalisons pas la grâce que nous avons. Nous ne réalisons pas la... Un jour, frères et sœurs, Dieu vous ouvrira les yeux, vous pleurez. Vous pleurez, frère. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce, effectivement, de pouvoir réellement comprendre où nous en sommes et ce que nous sommes et comment les choses doivent se faire, effectivement. On se prend trop avec la hauteur de moi, je suis mon cousin, il est, je ne sais pas moi, docteur en Chine, ça ne sert absolument rien. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec son doctorat ou je ne sais pas moi quoi? Et s'il est bon pour vous, allez-y avec lui. Si vous trouvez que c'est un bon prédicateur avec vous, allez-y avec vous. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de dire, tu es obligé de rester dans l'assemblée. Jamais. Chacun de vous est libre de venir ou de partir. Mais je sais que les véritables fils de Dieu, tu n'as pas à les supplier. Ils savent les choses. On a beau frapper, ils ne partiront pas. Ils resteront. Je le sais, frère. Parce que c'est pas pour moi, parce que la Bible dit, mais à qui d'autre qu'à toi? C'est la parole de Dieu. La nature que Dieu a placée dans chacun ne peut pas aller ailleurs que là où la parole de Dieu est prêchée. Amen. C'est là qu'effectivement que le cœur et l'âme aussi est nourri. Il dit effectivement, nous terminons par là aussi, Romains chapitre 8, nous terminons. Alors il dit, nous terminons par là, je ne sais pas précis, il dit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce qui veut dire que mon frère et ma soeur, ce fils de Dieu, cette fille de Dieu, a une telle assurance dans les choses de Dieu, comme l'a dit, mais ni les choses au présent, ni même les choses à venir,
ni aucune autre créature, peu importe même ce qui peut m'arriver dans ma propre vie aujourd'hui. Je ne peux pas me détacher de la parole de Dieu. Alléluia. Je connais ce que ce Dieu est pour moi. Amen. Ce qu'il a fait pour moi. Amen. Ce qu'il a fait dans ma propre vie. Amen. S'il faut même mourir. Frère, les trois Hébreux croyants, ils connaissaient. Amen. La fournaise était chauffée 7 fois plus fort. Le roi était là. Le dignitaire était là. Ils auront pu faire des compromis, non? Bien sûr que oui. Parce qu'il n'était qu'entre eux, évidemment, j'étais avec tous ces populaires qui les entouraient, effectivement. Il dit, mais si vous ne réveillez pas, mais c'est le feu. Il dit, sache, ô roi, que notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Ce n'était pas de l'orgueil, mais l'assurance. Amen. La capacité de nous délivrer de cette situation. Oh, il y a le chômage. Effectivement, il faut garder ton emploi. Fais tout à tout avec les travailleurs et tout ceci. Frère, tu n'as pas à pouvoir te vendre comme une chaussette, c'est pas sur le marteau. Non, en tant que fils et fille de Dieu, sois en paix. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu, il a l'assurance. Amen. Il connaît effectivement, il dit, mais si je n'ai pas aujourd'hui, Dieu ne pourra jamais m'abandonner. Amen. Vous avez encore la veille de ce retard. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Tout le monde était dans un état où on ne sait bien plus rien. Dieu dit à son invité, il dit, va là-bas. J'ai ordonné. Amen. Je n'ai rien dit, mais fais d'abord pour moi. Et je viendra. Vide de la farine. À mon cœur. C'est écrit, non? C'est pour nous. Frère, nous sommes arrivés aussi à cette génération. Parce que ce qui attend cette génération, les choses qui sont réellement prévues dans ces temps, effectivement, ce sont les choses qui sont difficiles. J'attends déjà que là-bas en Espagne, les gens se jettent sur la fenêtre. En Grèce, n'en parlons pas, ce sont des morts qu'on compte. Vous suivez? Et ici, chez nous, ça ne fait que serrer parce que les taxes ne vont que monter. On cherche des milliards gauche à droite. Frère, ce sont des êtres humains. Ils sont sans espoir. Des gens comme vous et moi. Mais quelle différence a-t-il entre vous et eux? Parce que nous avons l'espérance. Alléluia. On ne peut pas s'affliger ni s'attrister comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Même quand une mauvaise nouvelle vient, la Bible dit, le juste n'a pas peur de mauvaise nouvelle. Alléluia. Parce que son cœur est toujours confiant en Dieu. Amen. Qui nous séparera? C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est parce que nous n'avons pas encore réalisé ce que c'est que le bonheur d'appartenir à ses sauveurs. Lorsque nous avons goûté que Dieu est bon, alors nous savons à quoi nous accrocher davantage. Peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe la situation, nous ne tremblons pas à ce que les médias peuvent dire. Même si on nous parle en disant qu'aujourd'hui, il y a un nuage de gaz. Je vais m'arrêter. Il y a un nuage, effectivement, qui a quitté Tchernobyl et qui parcourt, effectivement, les pays de l'Europe. Un nuage, effectivement, toxique. Qui, comment on appelle ça si c'est un nuage et qui a vous avez la contamination, là, j'oublie encore la radioactivité, effectivement, quoi, ici. Et tout cela va se passer. Et qu'est-ce que vous allez faire, effectivement? Vous allez courir, effectivement, dire, ah, Seigneur, nous sommes perdus. Non, rien ne pourra arriver aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Alléluia. Vous savez ça? En tant qu'élu de Dieu, aussi longtemps que tu es sur la terre, tu sais une chose, Seigneur. Si je suis sur la terre, ce que tu me gardes pour un but. Amen. Aussi longtemps que je suis là, tu pourvoiras pour le pain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'eau, tu pourvoiras. L'habitation, tu pourvoiras. Amen. Le vêtement, tu pourvoiras. Amen. Un élu de Dieu ne s'inquiète pas. Amen. Pour les vêtements, pour la nourriture et pour Amen. Tout. J'ai levé la preuve. Amen. Vous savez, ma bien-aimée soeur, là-bas qui est derrière, je pense, notre soeur Marie Chantal. Un jour, elle était venue à mon bureau, je crois que ça prend que je parte là. Que Dieu la bénisse. Amen. Et je devais prier pour elle. Et puis il dit, oh frère, je me souviens quand tu prêchais là. Je disais, j'ai crié Amen fort. Il dit, mais parce que je l'ai vu. Il dit que Dieu te bénisse. C'est pourquoi? Parce qu'il dit, mais quand tu disais que quand tu as quelque chose,
et que tu donnes, effectivement, Dieu te bénira à l'avantage. Il dit, j'ai toujours fait cette expérience, quand moi j'ai de l'argent, je donne toujours aux frères et sœurs, et Dieu me donne toujours, et je n'ai aucune facture en retard. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Mon frère et ma soeur, Dieu notre Seigneur, il prend soin. Amen. Il a dit, je vais terminer par la part de l'Église. Il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Amen. Regarde les oiseaux que tu peux attraper, tu peux tailler ses mains. Il dit, les oiseaux du ciel, il les sème, il les moissonne. Mais ton Père, à toi, il prend soin. Amen. Comme il faut donner trois sur le fils. Lui, c'est Charles. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, mais il pourra pour te vêtir. Amen. Pour ta nourriture. Tu es là-haut. Je ne sais pas si demain, ce que je vais manger. Non. Le lendemain, il prend soin. Amen. Parce que je suis un fils. Cela ne veut pas dire que je vais me mettre au chômage. Travaille, je ne veux pas prendre le travail. Je travaille 6 mois ou un an chômage. Bah, je vais chômage. Dieu pourvoira. Non, tu vas vivre la misère. Non. C'est la sueur de ton front. Tu donneras ton âme. Donc Dieu veut que tu mettes en pratique la parole. Pas j'ai chômage et je vais seulement l'assistance. Non, travaille. Donne un exemple aussi aux autres. Amen. Afin que dans la maison du Seigneur, il y ait aussi de la nourriture. C'est que Dieu nous. Amen. Monsieur.